Salut les petites chauves-souris! Salut les petites chauves-souris, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 12 octobre et je viens vous voir, déjà pour vous montrer que j'ai réussi à démêler le sac de nœuds que m'a laissé Céline, et je suis bien contente. Franchement, j'ai eu des sueurs froides parce qu'à un certain endroit, il y avait des fils qui avaient collé entre eux, donc mais j'ai rien coupé. Donc Céline, je t'apporte ça ce soir. Et là, je m'apprête à commencer à cuisiner ce que je voudrais préparer pour ce soir, pendant que les garçons font des activités d'Halloween. Je vais vous montrer ça. Non, bah d'abord, il faut finir le orange, mais si tu veux finir le noir. Fini. Bah non, regarde, il reste toute une partie là. Donc vas-y, fais. Ah non, mais ça c'est pour montrer. Ça c'est pour montrer qu'on l'a peint comme ça en fait. Mais d'abord on fait tout l'orange et après on fait les autres couleurs. C'est ma petite sœur qui nous a ramené ça de chez Flying Tiger en cadeau. Les petits trucs. Et Soji, qu'est-ce que tu fais toi? Soji, il a eu un truc un peu plus précis pour les grands. Une maison, un décor d'Halloween. Et tu viens de finir. Ouh, bien colorié ta tombe, mon chéri. Voilà. Donc ça fait un petit temps calme créatif pendant que maman est cuisine. Et je vous ai pas montré ce que je porte parce que il fait assez chaud, assez froid pour pouvoir le mettre. Je porte mon pull 4 de chez Lucienne Tricote que j'ai tricoté comme d'habitude dans les laines de textile de la marque. Ah, ok. Et alors le rouleau de papier, c'est un running gag parce qu'en fait, nous, on n'utilise pas de mouchoir à la maison, on a du PQ blanc. Et quand je raconte à mes copines qui viennent à la maison et qui ont besoin de se moucher, je leur tends mon rouleau de papier toilette et qui savent que je fais des vidéos, je dis ça, c'est le truc qui m'angoisse le plus quand je tourne parce que j'ai toujours, en général, en fond, un rouleau de PQ. Et j'ai dit, ils vont se demander que fait un rouleau de papier toilette dans la maison. Bah, c'est parce qu'on se mouche. Donc voilà, la preuve. Bref, donc je suis en train de vous montrer mon pull 4 que j'ai tricoté exceptionnellement long pour pouvoir mettre avec des jeans comme ça. Et là, il fait assez frais pour le mettre, donc je suis bien contente. Et je vous avais montré dans la dernière vidéo, le chien au milieu du dos, il n'a pas de museau, c'est pas grave. Retour de course, il est 16h30, je vais faire mes onigiri. Les garçons ont fini leur décoration d'Halloween. J'adore. Ils étaient contents de faire. J'ai fini aussi, j'ai cuit, je vous ai montré dans le plan précédent, les omelettes. On les coupera, je pense, chez Céline. Hop. Là, je m'en vais faire mes onigiri. Et j'ai acheté des petites choses d'Halloween au magasin, je vais vous montrer. J'ai pas nécessairement besoin de beaucoup de choses, mais Soji m'a réclamé une autre maison comme ça à mettre ailleurs dans la maison. Je trouvais ça mignon. Et celle-là, elle est pas à peindre, mais il nous reste de la peinture de celui de des projets qu'ils viennent de faire, donc on va l'utiliser pour la peindre. Alors pour mon Johnny, j'ai acheté des autocollants pour quand il dessine avec sa sœur. Pour sa sœur, j'ai pris des petites barrettes. Et aux garçons, je leur ai dit qu'ils pouvaient se prendre un truc d'Halloween chacun. Donc Soji a pris le couteau rétractable pour poignarder son frère et moi dans la même occasion. Nao aussi pris des araignées. Et moi j'ai pris ça. J'ai pris ça et j'ai pris celle-là avec les chauves-souris. Je pouvais pas ne pas les prendre. Donc voilà. Et en plus, j'ai plus de chaussettes. Moi, je les trouve, mes chaussettes du commerce, je les trouve là. Et je me dis là, pour la saison d'Halloween, elles sont trop bien. Je m'en vais fermer onigiri et je vous reviens tout à l'heure.
Ça y est, on a terminé les onigiri. Et Nao, je l'ai montré déjà. Nao, voulez-vous vous montrer son citrouille horrifique? Et tu veux montrer tes araignées? Attends, je vais la poser sinon elle va se casser. Et c'est ça qu'il m'a demandé. Magnifique. Trop cool. Youpi. Allez, oui. Et merci Soji. Et donc je m'en vais, pas que j'oublie sa pelote, je vais la mettre dans mon sac de tricot. On va peut-être avoir le temps de tricoter un petit peu, donc j'emmène mes chaussettes, j'emmène mon châle de Stephen West et j'emmène, je pense que ça va être tout, parce que si j'ai pas le cerveau disponible, je me mettrai sur les chaussettes. Voilà. Ah oui, et en dessert j'ai prévu ça. Je sais plus si Céline a prévu un dessert ou quoi, et je vais mettre ça pour rester dans la thématique Japon. ça c'est le mal. Cette marque-là, j'aime bien, elle est bonne. Et à la vanille à l'intérieur, c'est délicieux. Salut, je souris. Je viens de rentrer, je suis très fatiguée. On a bien rigolé, parce que j'ai mon maquillage qui a coulé. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.